cérémonie de Dr honoris causa, c'est mettre quelqu'un à l'honneur. Formellement, c'est mettre à l'honneur quelqu'un qui a rendu des services éminents. À la France, à l'université, dans le domaine des sciences, des lettres, des arts. Je vais vous demander d'accueillir Modidje Kepanga, donc chef papou. Si tous les arbres disparaissent, les hommes disparaîtront à leur tour. Ce message, Modidje s'emploie depuis de nombreuses années à le diffuser dans le monde entier, à l'heure où il apparaît plus clairement que jamais qu'il convient de changer de modèle, d'abandonner le productivisme sans contrôle qui tue peu à peu la planète, faire de Modidje le premier docteur honoris causa de notre université et du campus polytechnique des territoires maritimes et portuaires à Vrai, relevait de l'évidence. Bienvenue, Modidje, au sein de notre campus. Merci de nous faire l'honneur de votre présence et l'honneur d'accepter ce doctorat honoris causa. Nul doute que nous ayons beaucoup de choses à apprendre de vous. Thank you, Tru. Bon, d'abord, je tiens vraiment tous à vous remercier et à vous préciser quelque chose de très important. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne suis jamais allé à l'école, je ne suis pas un scientifique, et je suis très honoré que vous me remettiez ce diplôme d'honoris causa à moi, qui suis illettré, qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça me touche tout particulièrement, je pense que c'est vraiment unique. J'ai presque envie de pleurer, parce que vous me remettez ce diplôme à moi, mais moi je ne fais que répéter tout ce que m'ont appris mes ancêtres. Et je pense que ce diplôme que vous me remettez à moi, je pense qu'il n'est pas pour moi. Il est pour tous mes ancêtres qui depuis des générations nous ont donné des conseils tout simples pour protéger la nature. Alors je vous remercie de remettre ce diplôme à mes ancêtres qui nous ont transmis tout ce que je partage aujourd'hui très humblement.